Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve une nouvelle vidéo. Une vidéo qui parlera de comment laver son harnais et sa brosse de chien. Ouais, tout son matériel de chien quoi. À part les produits du genre parfum et tout. Mais là, je vais laver son harnais, son collier et enfin sa brosse. Donc là, il y a son serpentin. Donc là, il y a le harnais en mêlé. Alors, quoi que non, c'est bon, il n'est pas mêlé. Donc là, nous avons le clip de sécurité. Là, le truc pour mettre la tête. Et là, la petite brosse. Bon, voilà, il pue. Vous ne pourrez pas sentir à travers de la vidéo, mais là, il pue. Franchement, il pue. Un collier, donc je vais enlever la médaille, bien sûr. Ensuite, une brosse, côté doux, côté crin. Côté crin, pour enlever les saletés qu'il y a dans les oreilles, si vous avez un cocker. Parce que les cockers, voilà, là, on va le voir dans cette photo, ils ont les oreilles comme ça. Ou comme ça, mais ils ont des oreilles vraiment comme ça, et ils ont des grands poils aux pattes, donc c'est très très chiant à les démêler parce que des fois ils ont des saletés dedans, tout simplement. C'est chiant de les enlever, donc du coup on est obligé de prendre ça et puis de enlever quoi. C'est vraiment très 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 chiant parce qu'après quand ils se mettent dans la bouillasse ou comme ça, c'est vraiment affreux. Donc voilà, donc je vous retrouve dans ma salle de bain. Donc j'ai que ça à laver. Ouais, à tout de suite. Alors, merci de nous revoir dans ma salle de bain. Donc vous aurez besoin, pour mettre, vous aurez besoin d'une bassine remplie d'eau chaude, très chaude. Voilà, donc c'est avec ça que j'ai mis du fait mon démêlant. Donc avec ça, donc du ultra doux shampoing. Enfin, après shampoing ou shampoing ? Shampoing doux, il n'y a pas besoin. Mais bon, il y a aussi un après shampoing qui existe en ça. Donc j'attends que ce soit très très chaud, donc là ça va suffire normalement. Voilà. Et ensuite on aura besoin de lessive. Donc, je sais pas laquelle que je vais prendre moi. Du coup c'est la même, quand même. Mais Ariel. Hein. On va prendre celle-là, alors. Faut pas s'embêter. Celle-là, la plus légère, je pense pas. Voilà, j'ai presque la même méthode pour laver les brosses. À part avec mes brosses, je prends le savon de Marseille. Mais j'ai commencé à mettre de l'Ariel. C'est une lessive d'Ariel. Hier, je lave aussi mes affaires. Hein. Mais déjà, mon chien, ça fait plus longtemps que ça devait être prévu. Donc voilà. Puis les chevaux, je les lave plutôt le mercredi, alors c'est pas grave. Les affaires, donc des choux. Voilà. Médaille, ensuite on peut le mettre dedans. Donc je crois que mon avis ça va être dégueulasse, mais ça va être marron. C'est sûr, je vais en mettre certains. Attendez, il faut que j'enlève. Je mets plus. Voilà. Donc on déboîte tout leur nez, le clip de sécurité, la brosse attachée, la boîte, la merde. La. Comment dire ça? Le harnais attaché. Voilà. Donc c'est moi qui lave les affaires de mon chien. Oui, je sais. C'est pas moi, là, c'est son maître. C'est mon père. Mais moi, je suis entre guillemets sa deuxième. Mais son deuxième maître, donc voilà. Moi, je m'en fous, ça me fait. Ça me fait pas de force. Je sais le truc, donc voilà. Voilà. C'est une lessive bleue. Il sent super bon. Donc je vais pas tout prendre parce que sinon, ma mère va me tuer. Voilà, donc j'en ai pris un peu. Ah, ça sent super bon. Voilà, donc c'est bleu, hein. C'est pas grave. Donc oui, pour la brosse, je crois que j'aurais dû la laver après parce que c'est ça qui a fait ça avec la main. On va éviter d'approcher trop la tablette de l'eau. Voilà. On va peut-être en mettre un petit peu parce que
Ça va mousser, c'est tout à fait normal, hein. Voilà. Donc si tout est bien, tout s'est bien passé, hein, ça devrait faire de la mousse. Donc vous mettez de l'eau et de l'Ariel et puis voilà, le tour est joué. Après vous frottez, mais moi je peux pas frotter du coup parce que j'ai une main comme ça. Et une main pour tenir la tablette, et puis en plus elle est pas étanche ma tablette, donc j'ai pas trop envie de la péter, de me faire tuer par ma mère, parce que ça fait la deuxième tablette que j'ai enlevée. Non, bah oui, si, non, si. Parce qu'en fait, il y avait une tablette qui, je sais plus pourquoi, je sais plus, et du coup on l'a amenée. Ah si, c'était la première tablette que j'ai eue, elle a été au bord du trampoline, et du coup ma soeur m'a poussée, du coup je suis tombée dessus. Du coup, paf, elle est pétée. Et la deuxième, c'était quoi? Non, je crois que c'était tout. Non, c'était une histo, voilà. J'avais une histo. Et non, c'était ça. Oh, je sais plus. Ah, bref, voilà. Et du coup, non, c'était ma deuxième, ma première journée. Oh, je me souviens plus. Voilà. Donc là, du coup, ça fait plus de mousse, hein, mais vous laissez agir au moins. Allez, avec une histoire là, 1 ou 2 heures, ça devrait suffire. Si vous êtes pressé, 1 heure. Si vous n'êtes pas pressé, 2 heures, ça suffira totalement. Mais laissez le plus de temps possible parce que comme ça va bien désincruster la saleté. Non, je ne passe pas à la machine à laver ni au sèche-linge, puisque voilà quoi, je sais même pas si j'ai le droit d'être en plus. Bref, voilà. Voilà, vous laissez agir au moins 1 heure ou 2, et puis normalement votre matériel du chien est propre. Donc je vais vous retrouver après le résultat. Donc j'ai essayé de ne pas couper la vidéo, mais c'est pas dit. Donc si elle coupe, mais tant pis. Mais après vous rincez, bien sûr vous rincez le matériel bien, et ensuite vous laissez sécher, donc à étendre soit dehors ou soit n'importe, mais vous laissez sécher. Donc voilà, moi ça va être dehors. Sous sèche, ça y est. Donc voilà. Donc voilà, donc à tout à l'heure. À tout à l'heure ou à une prochaine vidéo. Voilà.